Et yo tout le monde, c'est Dixon Chase, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour le nouvel épisode du Mexican Twist 3 en compagnie de la team Steven, Collet, Dimitri, Gabin, Jordan, Oswald, Johan et James. Donc la team, c'est parti, vous connaissez le concept. Maintenant nous avons 3 pots, un pot de tabac où on en a 34 aujourd'hui. Les pourcentages, donc 10, 90, 20, 80 pour le mélange. Et le système de chauffe, donc caloude, broude, alu, 3K, etc, etc. Donc je t'en prie, Steven, commence. Tu commences par le tabac. Hop. Le numéro combien? 12. 12, c'est caramel Adalia. Tiens. Hop, le deuxième. Ouais. 20, c'est le Candy Breeze. Waouh, ça ne marche pas trop. Harlequin avec caramel. Maintenant, le pourcentage. Garde tes papiers, comme ça, on saura la fin. 60-40, du coup c'est le premier, donc 60 de caramel et 42 candy brise. Système de chauffe, là ça va être marrant, parce qu'il y a du 3K. T'as quoi? Brood. Wow. Ah, bah, à coller. Le tabac pour commencer. Non. Le numéro 1. Le DPF. Yes. Double pomme. Ah, ça commence bien, double pomme. Sur le poisard. Pim. Non, oh, je sais pas. Enfin, un truc qui donne la balle. Un 15. Café cardamone. Oh, oh, le mélange. Tout ce que j'aime pas. Il faudra 90 de DP, ça c'est magnifique. Ah ouais. Un collier prend cher, collier prend cher. 90. Collier, je t'aime. 10,90, oh 10 de DP. Oh, 10 de DP, mais café cardamone, il déteste le café. Ouais, il déteste le café. Donc clairement, là, le tirage au sort. Pour le sauver, il faudra un brood. Ah bah brood. Oh. Mais bon, DP et café, il va prendre cher. Dimitri, à toi. Le 6. Le 6, c'est le menthe crème. AF. En sachant qu'il est périmé, bien sûr. Ah, non, ta tête, elle est plus pareille. Non. 25. Le 25, c'est le cactus Adalia. Oh, avec tu sais quoi avant? Avec le menthe crème. Le menthe crème périmé. Ça va plus trop ensemble, mais bon. On est sur un 20-80. Ça va, t'as 20 de. Ziac. Je ne t'appelle trop fort. Et au niveau du système de chauffe, tu as un 3K. Auto-allumement. Yes! C'est un cadeau. Yes! Auto-allumement, déjà, il y en a qui est parti. Gabin, à ton tour. Dégoûté. Le numéro 21. Gabin, je sais qu'il le sentait pas dès le début, mais là ça va. Water Fresh. Ça va. Water Fresh, deuxième tabac. Escroc. Triche. Attendez, ça se trouve, il va tomber sur une dinguerie en deuxième. 13. Le Sushi Wham de True Passion, il est pas terrible. Donc, c'est quoi ça? C'est lui que t'as senti le melon bizarre là. Un peu, pas terrible, terrible. Mais bon, si t'en sens un bon pourcentage, je devrais le faire. 10,90, ça va. Ah non, même pas 10. Bah non, c'est le melon en 90. Ah, 10 de water fresh et 90 du melon. Système de chauffe. Quoi, hasard? C'est pas gentil, copain. Alunat. Tiens, je te laisse avec le papier. Jordan, à ton tour. 3 coachs. Alors, moi, il y a un truc qui peut me faire vomir, c'est le double pomme. Ah oui, j'aimerais tellement. Ah, j'aimerais tellement le double pomme. Le numéro 9. Le numéro 9, c'est le pistache. Ça va. Le pistache de chez Freestyle, bien sûr. Ah. Pas de chez Dichy. Ah, merde. Ah ouais, c'est pas le pistachio. Voilà, cacahuète. Et le numéro complémentaire. Le numéro 3. Arrête. Oh non. Franchement, tu vas kiffer, mais ça se mélange pas du tout. Et il y en a un qui va être dégoûté, c'est Dimitri. Pirchil, SS. Oh gars, je vais avec son Pirchil. Ah, mais avec de la pistache, oh ça serait bien que tu. Ah, tu niques clairement un 90 de SS. C'est vrai. Un petit 90 de SS, ça serait marrant. 30-70. Donc le perchil a passé. Il a passé. Ah, le système de chauffe. Ah, ouais, le système de chauffe de famille. Je le. 3 quarts. Allez, lui. Je m'en sors bien. Allez, je m'en sors bien. Oswald, à toi. Je m'en sors bien. Deux tabac. Un tir au sort. 29. Pire, méditer. C'est Pierre Williams. C'est Pierre de chez Méduse. De là, en deuxième, tabac. Mais tu es luxueux, toi. Ah, bah attends, on se trouve. 16.
pack jam de chez Freestyle. Donc une poire un peu citronnée. Le pourcentage. Moi, c'est 90-10, donc 90 de médité et 10 de pack jam. Le système de chauffe. Alors si tombe pas sur Brood, il va être fâché. 3K, autant lui. Retour à l'enfance. Yoann, à toi. T'as pas dégoûté un peu? T'as pas le somme? Ah, elle tombe sur le hasard, je tape une grosse. C'est pour ça que je me suis dit aussi. 28. Strong Mental Blue Horse. Alors déjà, tu vas prendre ta balle, mon pote. Un chip Brood. 17. Moondance Spekulos Freestyle. Spekulos avec de la menthe, ça va. Ça va. Au pourcentage, ça serait moi qui prends là la balle de. Y'a plus de poids. 30-70, ok. Et le système de chauffe. Le système de chauffe. Révélateur. Brood. Là, t'es bon. Avant-dernier, James. Le numéro 26, c'est le Litchi Blue de Chadalia. Oh, deuxième tabac. Moi, j'aime bien. Le pire, je crois, c'est collé. Ouais. Avec son épée. Bah, ça se voit sa tête. Le 4, c'est le Gum Cannel. Gum Cannel avec du Litchi Blue. Ça se mélange pas trop. Ouais. Pourcentage maintenant. T'as pris 70-30. Et le système de chauffe. Oh, je sens trop bien, je vais tomber sur le quasar, je suis le dernier après. Kaloud ou Inis. Allez, je te laisse récupérer tes petits papiers à mon tour. Je suis mal. Toi, t'es mort. Je vais rendre la nuit. Allez, à mon tour. Le numéro. Le numéro 10, c'est le Wind of Cuba. Oh, il est bon. Parfait. J'espère que c'est un bon mélange parce que si je tombe sur un truc fruité, là. 8 c'est le Moroccan Shy. Oh, pas terrible le mélange. Pourcentage 60-40, ça va, 62-9 Cuba, il va prendre le dessus. Alu. Vas-y. Le quasar n'est pas tombé. Il va tomber. Donc voilà la team, le tirage a été fait, nous on va préparer, on va vous montrer un petit peu comment on fait la préparation, on va pas tout vous montrer sans être ultra long. Et on se retrouve pour le ressenti de chaque session, mais je pense que le pire ça va être collé. Allez, c'est parti. Il est dégoûté. Ça va être mon permis. Les deux là. Ouais, ça fait près 30% ça on va dire. Moi c'est 90-10. Mais c'est le cactus, tu vois. Et le spéculos il est où? Le spéculoos c'est le Mundo. Ça me donne pas du cactus, non. Tu peux écrire là? Mais si, c'est écrit. Là, c'est du cactus. Tiens, moi un ciseau, tu peux m'envoyer un ciseau. S'il vous plaît. Cactus, ok. Bon alors. Pour coller, double pomme. Coller. Voilà. Je te laisse là. Ouais, merci. Il est long, il est long. Bon, tu vas kiffer ta session? Moi, j'ai fait un combien moi? Non mais surtout café, je range café. Donc je vais mettre 30% de pistache. Ça va te réveiller un petit peu, ça va te... Il est où ton piatil, Dimitri? Non, il est là. Bon les gars, c'est parti. On commence avec Oswald qui a fait du coup auto-allumant avec... c'est quoi ton tabac en premier? 90% de médité. 90% de médité, donc méduse, tabac 35€. Auto-allumant, ça fait mal, avec 10% de pack jam. Pack jam, ouais. Donne-nous ton ressenti après quelques lattes. Personnellement, moi je goûte pas. Je te laisse dans ta merde. La mienne est en train de chauffer. Ça fait quoi de repasser sur auto-allumant après des années naturelles? ça me rappelle. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça. La bonne station, moi. Je m'attendais à pire. T'attendais à pire? Ouais. Bon, t'as l'arrière-goût de. Ah, d'auto-allumant, c'est obligé. Plus t'en as mis deux. Ouais. Ça va. Ça va? Ok. Bon, allez. Personne suivante. Bon les gars, là on se retrouve avec Dimitri avec encore de l'auto-allumant. on peut passer l'auto-allumant direct. C'était quoi ton tabac? Alors moi c'était 20% de AF menthe périmée. Voilà, menthe crème. Menthe crème périmée. Avec et 80% de cactus. Cactus. Ok, tiens, je te sens un petit chaud pour pas te s'appliquer. Non, ça va, c'est. C'est juste l'auto-allumant en fait qui, ah, bah, l'auto-allumant, qui dérange. Quand tu passes au naturel, tu peux même passer auto-allumant, c'est impossible. Oh les grosses là, tu tires. Ah toi tu veux te faire mal toi. C'est bon, c'est dégueulasse. C'est bon. Allez, attention. Allez, c'est parti avec Monsieur Jordan. Bonsoir tout le monde. C'était quoi toi? Alors 30% pistache de chez Freestyle.
Freestyle et 70 Birchill SS. Oh le mec, oh je veux goûter. Je pense que ça va être dégueulasse, je veux bien goûter celle-ci. Bah moi c'est session lue. Ouais, ça doit être très très bizarre. Du pistache avec de la poire. J'aime bien. On sent bien le pire quand même. Je vais tester voir. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais, hein. On sent un pistache ou quoi? Ouais. C'est vrai que c'est pas dégueu. Hein. Non, j'en sens rien. Non, franchement, c'est très bizarre. Ça, Mix and Twist, les gars, ça peut être vite dégueulasse comme la pistache avec de la poire. C'est pas quelque chose qu'on va mélanger tout de suite, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas dégueu. Ouais, pas dégueu. Non, ça va. Le perché quand même prend le dessus. Hein. On sent un petit peu le côté pistache en deuxième plan, un peu grillé. Mais ça va, c'est pas dégueulasse. Je m'attendais quand même à pire. Allez, validé. Allez, personne suivante. Ouais. Ah, la personne qui kiffe sa session, depuis tout à l'heure il a dit moi je vais la finir. Ah mais oui, moi je l'ai fini. Qu'est-ce que t'as fait du coup? J'ai fait un 60-40. 60-40 de... Candy Breeze et de Carmen. Candy Breeze et... Carmen. De Dahlia. Harlequin avec du Carmen. Harlequin prend beaucoup le dessus. Ouais c'est sûr, Bichini. Et Carmel tu le sens? On le sent très peu. Vraiment très peu. Ouais tiens, pas beaucoup. Tu la valides toi? De toute façon ils poncent tout. Ces sessions ils sont cancer à chaque fois donc. Ouais je pose tout. Mais ouais, je valide. Je veux bien tester parce que le caramel c'est vrai que. On le sent pas beaucoup. Je sais pas si toi tu le sens mais on le sent. Tu sens ouais pas beaucoup. C'est quand il brise vraiment en premier. Ok, allez, personne suivant. Alors qu'est-ce que t'as pas? Tiens, il y a les numéros 30-70 sur Brood et t'as pas c'est quoi? Il y a 30% de strong mental. Ouh la balle. Et 70 de spéculos. Ça va. La menthe avec du spéculos, menthe fraîche. Ça va les bottes, on sent plus la menthe que le spéculos. Tu veux tester? Vas-y, je vais tester sur. Il y en a une que je vais pas tester, c'est le double pomme. Coucou le double pomme. Waouh. Ça va. La puissance. Ouais, allez. Personne suivante. Collé, 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 collé. Le double pomme, le double pomme. Alors là, il est dégoûté parce que le double pomme, il aime pas. Et café cardamone, il a horreur. Bon, j'avais 10% de double pomme et 90% de café cardamone. Là, tu le sens. Là, tu le sens. Tu envoies la pince. Le numéro, dis comment ça se passe un petit peu, les gars. Stay strong. Je vais tester quand même, je vais le tester. J'ai horreur du pomme moi aussi, hein, pareil, mais je vais quand même lui faire honneur. Ah, c'est dégueulasse. Je vais t'accorder un joker, t'es la session la pire. T'as le droit de choisir une personne ici qui a le droit de fumer, pas qui a le droit, qui doit fumer de la sur ta session. Gabin. Gabin. Ziak. Allez Gabin. Il se cachait. C'est horrible. C'est horrible. Café Gabamon par contre on le sent pas du tout. Hein. Franchement il y a quoi, il y a 90% de café, on le sent pas. Le double pomme par contre on sent à mort. Franchement, la Nice moi j'aurai. Tiens. Deux mon gars. Escroc. Tiens, il devient tout rouge. Oh non, je peux Allez. Pas. James, ton tour. C'est quoi toi? Litchi. Litchi Blue avec gomme cannelle. Ça se marie pas trop. 70-30, ok. Sur quel autre du coup? Ouais, Litchi prend le dessus. Ouais. Le litchi est très bon donc. Gomme cannelle, normalement on sent pas trop, en tout cas l'odeur. Ouais. Non. Oui. Ça se ponce? Franchement, ouais. J'aime bien le litchi, donc ça va. C'est pas mal. Ouais, tu sens un petit peu le gomme cannelle à la fin. Et non, le litchi en premier. Tu la valides? Ouais. Ok. Gabin, à ton tour. Ah non, sur la nouvelle stimulation, dis-moi que tu m'as pas fait quelque chose de dégueulasse. Ben, c'est dégueulasse. T'es tombé sur ça. C'est dégueulasse. J'avais 90%
de melon. Ah ouais, ah oui, oh le melon horrible. Et 10% de Water Fresh. Water Fresh. Chini. Ok. Ouais, c'est le tabac, il est pas bon du coup. Ah, j'ai pas envie de le fumer en plus. Non, je fumerai pas seul. Il pourrait, t'as peur. Non, je fumerai pas seul. Non, c'est. C'est pas bon. non, c'est pas bon. Je vais tirer une latte pour. Parce que ouais, le trou passion, celui-là, je pouvais vraiment pas. Ah non, c'est pas bon. C'est pas dégueu. C'est bon, Water Fresh, tu. Mais c'est pas bon. Mais c'est pas bon. C'est que j'ai dit. Non, en soi ça va. Franchement, en soi ça va. En soi ça va. J'avais peur, mais franchement, c'est pas dégueulasse. Moi, j'aime pas, c'est mes goûts. Oui, c'est sûr, bon. Mais c'est pas dégueulasse. C'est quoi. Ton goût. C'est... Ouais, c'est pas terrible. Le melon, il reprend le dessus. Ah, c'est le melon, bon. Il est fatal. Bah, c'est bon. Bah, tu as fait bon. Je te passe le pot, tu repars avec. Non, sérieux. C'est pas dégueu. Non, franchement, ça va. Non, franchement. Par contre, le Water Fresh, tu l'oublies, il est pas là. Une petite pointe à la fin, mais très très léger. Non, ça va, c'est pas dégueulasse. Non, franchement, elle est bonne. Il y aura la mienne pour finir. Ouais. Moi je prends de ma balle parce que c'est du cigare. Oh, il y a pire. Hein. Ah ouais, c'est sûr. C'est quoi toi? Moi au niveau du mélange, t'es un. Je sais plus c'était quoi le mélange. Au niveau du pourcentage. Oh, allez, suivant. Allez, c'est la mienne. On vient de poser les charbons. On vient de poser, bon, on va essayer de la démarrer alors. Si quelqu'un veut la fumer. Bah, vous venez de les poser ou ça fait 10 minutes? Non, je vais les poser. Quelqu'un veut la fumer? Pareil, c'est bon. Voilà. Pour l'instant, je sens que le cigare à la première latte. Ah ouais, c'est vraiment ça sent. Au niveau du pourcentage, il sera affiché à l'écran, mais je sais plus du tout c'était combien. Et avec du Moroccan Chai. Je crois que c'est un 60-42, mais bon. Bon, c'était les fins de peau, hein. J'ai dû un peu les serrer parce que. Fin de peau de ton cigare. Ouais. Ah ouais, c'était vraiment une excellente vidéo. On va essayer de rapprocher un petit peu le charbon. Envoie un quatrième. Envoie un quatrième, Biro, là. Un quatrième charbon. Ouais, un quatrième. Parce que vu qu'elle vient de démarrer à l'instant, là. En plus, c'est le cigare. On va envoyer la balle un petit peu. Le Moroccan Chai, je le sens pas du tout. Normal, le cigare, hein. Tu peux mettre ce que tu veux. Hein. Les quatre charbons, ils rigolent. Un peu l'amorcer, hein. Moi je la pense. Elle est bonne. Elle est validée. Ouais. En plus il est pas. Il est pas trop puissant le cigare donc ça. Moi je kiffe le cigare comme ça. Après ça sent ouf. Oh, c'est ça que c'est bon. Ouais, commence à bien fumer. Franchement il est super bon. Donc voilà team, c'était l'épisode 3 du Mix and Twist avec toute la team, j'espère que ça vous a plu. Ne se mettre un gros pouce bleu en dessous de la vidéo. Vous abonner, moi je tiens encore quelques lattes et on se retrouve bientôt sur YouTube. Allez, peace! Toi tu parles trop, tu mérites même un coca. À force de faire le gros, on va te faire la totale. C'est pour mes gangsters qui ferment la boca.